bien. Écoutez, je me suis préparée rapidement. Je me suis pas fait mes cheveux, je me suis juste maquillée rapidement. Ouais, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc je me suis dit, attends, je me pose dans la voiture, je mets la clim et puis je vous parle. Donc là aujourd'hui on est samedi, là il est 17h33, je me suis lavée comme je vous avais vu, je me suis préparée. Là je vais aller au coiffeur pour me faire un petit brush. J'avais la flemme internationale de le faire. Et vu que je suis ici et que c'est pas cher, je me suis dit allez on en profite, on va se laver. Hier soir j'ai dormi super tard, j'ai pris un café. Comment vous dire que le café il était tellement corsé que j'en ai pas dormi de la nuit. Je crois que je me suis dormi après le fusel. Et je me suis réveillée aux alentours de 13h. Ici avec moi, nous avons Sophia. Salam alaikum, salam alaikum, Diane derrière. Toujours le même discours. Ça va, mais que va te gouler. Ça va. Qu'est-ce que tu as dit, derrière Aïssan. Et nous avons Nezha. Coucou. Mais elle a bien vu, c'est bien. Oui, c'est bien, elle a bien dit. Coucou. Et puis j'ai une de mes collègues Thermomix, une responsable de secteur comme moi, qui est sur Face, qui m'a dit qu'elle était là. Donc on va se voir ce soir. Mon objectif, aller au coiffeur. J'ai pris mon ordinateur avec moi parce que vous savez quoi, ça fait 4 jours que j'essaye de charger le vlog. Croyez ou pas que ça fait 4 jours que j'essaie de charger le vlog. La connexion que j'ai mis, le vlog épisode 2, là on est à l'épisode 3. Parce que le vlog que je suis en train de vous faire aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Ça fait déjà 15 jours qu'on est là. Pas pu. En fait voilà, j'ai pas pris ma caméra parce que c'est bon, là, elle est dumb. Ça m'a saoulé. La connexion elle m'a saoulé. J'ai payé je sais pas combien et au final ça marche pas. La fibre c'est 50€ par mois et ça sert à rien de faire une fibre alors que moi j'habite pas ici. Donc c'est pas grave, je me dis je vais filmer au fur et à mesure du temps. J'arrive à vous publier, et dès que j'arrive pas à vous publier, je vous publierai en France et puis c'est tout. En tout cas le montage du vlog 2 il est fait, là j'ai pris l'ordi ici, il se charge dans un café, dès qu'il se charge pas, Donc on vous emmène avec nous dans cette petite journée, demi-journée on va dire, même pas quart de journée parce qu'il est déjà 17h. Je vous avais dit dans le précédent vlog que vous allez voir l'épisode 2 là, que vous avez pas encore vu d'ailleurs. On voulait dans une autre ville, changer un peu de ville etc. Sauf que mon mari, je pense qu'il se sent tellement bien ici auprès de ses proches, etc. que je ne veux pas trop insister pour bouger. Voilà, c'est pas très très important si on part. Voilà, le problème c'est que si on part, on peut pas prendre tout le monde avec nous. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas prendre tout le monde avec nous. La voiture elle a que 5 places. Alhamdulillah. Si je pouvais tous les emmener, l'année dernière quand j'avais le camion, je les ai tous emmenés. Mais là, 5 places c'est compliqué. Ah, j'ai laissé Tariq à la maison. Dans la cuisine de ma belle-mère et ma belle-sœur, il y avait une fenêtre, on avait créé une cour en face de la cuisine pour créer une ouverture. On a créé une ouverture. On a créé une ouverture et là ils sont en train de faire le contour bien avec ciment etc. pour mettre une porte là-bas. Je vous montrerai tout ça. La table marbre est toujours en attente. Voilà, donc on attend. Voilà, je vais les ouvrir un peu. S'il vous plaît, un McDo. La photo. Vous voyez? Et là, du coup, Mason, elle profite. Mason, elle profite, elle est en train de manger. Elle a pris du poids, tout va bien.
Hein, bien, hein, Sophia. Voilà. Tant que le vlog est chargé, il a mis même pas 30 minutes. J'ai fait la miniature en 2-2. Donc là, je vais vous publier. Donc ça, c'est l'épisode 2. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Donc je vous mettrai dès que j'aurai fini le montage. Maintenant, ça y est, je ne me prends plus la tête. Je viendrai ici à McDo. Je vais prendre des kilos, même si j'en ai déjà pris. On va pas se mentir. J'ai grossi, mais bon, c'est pas grave, c'est les vacances, je l'avais. Donc, alors, nous sommes à Borges-Fès. Donc, c'est un grand centre commercial qui est situé à Fès, au centre-ville. Et il y a plein de magasins qui a vu. Enfin, voilà, plein de marques, mini Sog, Orchestra, pas mal de choses. Magasin. Donc, maman, elle va essayer une petite robe bleue. Ouais, j'ai envie de ça. Elle est longue quand même. Moi je suis fanatique des vêtements donc j'ai vu ça, j'ai allé essayer. Allez, allez, on va voir la taille. Ouais, j'ai pris XL parce qu'elle est pas elle, donc là on est vraiment à l'aise. Là on est vraiment à l'aise. XS ou XL? XL, ok, à l'aise. Au café La Villa. Moi j'ai pris des raviolis épinards, je sais plus quoi. Et ça, elle a pris une coupe de glace. Enza, elle a pris un panini et moi un panini. Hello, Habibati. Hello, Yevenet. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Aujourd'hui, nous recevons des invités. Sophia et moi, nous sommes de tâche à s'occuper du repas. Génial! Donc, c'est tellement rare que je cuisine quand je suis au Maroc. La vérité, je suis assez cool. Là, j'ai attaché mes cheveux. Mon mari est parti à la piscine avec les enfants et les garçons. Et là, je suis devant mon Thermomix. J'ai lancé une petite pâte à pizza. Je me suis dit, je vais faire des mini pâtes, des mini pizzas. J'ai pris, on est parti faire quelques courses chez Moul Halot. J'ai pris de la sauce tomate soulis. Et on va faire une salade de riz composée. Et on va faire djej. Djej hummer avec dermera ou zitoun. Et le frit. En dessert, on va faire des fruits et le monada. Voilà. Donc Sophia est en bas dans la cour. D'ailleurs, il faut que je vous montre la cour comment on l'a ouvert. Attendez, rien, donc au chéchouillé, je vous montre. On a ouvert la porte en bas. En fait, c'est exactement la même fenêtre qu'il y avait comme celle-ci. Celle-là. Et on en a fait une porte parce que du coup, on a créé, comme je vous ai dit, une cour pour avoir un extérieur en plus. Voilà. On va préparer tout ça, je vous montre quelques moments et puis espérons que la chiotte, la zouine, et que le repas soit au rendez-vous. Regardez-moi cette magnifique dormira. نعرفوا حنا تبارك الله انا وصوفيا طلعنا لك داك الشيء تقامه ما محتاجوش حنا الطياب انت درناها تبارك الله جوج طاوة ديال هكا ديال الدغميره وحده الفوق وحده لتحت ربعه الدجاجات هما تحمروا احنا غنهبطوا نوريو لكم السلطه ديال الرز تكتوكه الفريت عندي ما بتيت فريتوز سيلفر كريس يا 2 ans je crois je l'avais jamais utilisé ici elle est super pratique. On a beaucoup de frites à faire. Du coup, tac, on appuie. Et là, vous avez des frites. Vous pouvez faire en quantité, c'est trop bien. Je vous jure, les amis, j'ai fait je sais pas combien d'étages aujourd'hui. Donc ça, j'ai préparé l'apéro aux Allemands avec Etei, des petites pizzas, mini pizzas. Là, le cacao, en tout genre. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais préparer Signia Dial Monada. Il est 23h45, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà ma petite tuk-tuka. Yalla Anas, hez, hez. Hez. Sir, bravo, alik. Tbarakallah, alik. Sir, sir, sir. Mounim, yalla, tala al khubz. Yalla, bismillah. Hna nsetfo salade de riz. Sidna Mohamed, Allah m'aide, j'ai
La salade de riz, c'est parti. Par contre, ce que dire aller-retour, juge ma race. Yallah, c'est parti. Et voilà mon poulet. 4 poulets, barakallah. Voilà, la radine c'est faux. Wow, le dormir de l'eau, le frit. Frit, c'est une maison. Barakallah, chouch hal. C'est magnifique. Mais franchement, c'est pas grave. D'abord, ma souris, je te donne un maillage. Plus personne ne parle avec moi. Frites. Combien de frites? Juste bonne nuit. Un âme. Ça fait. Ça y est. C'est parti. C'est venu. صلاة وسلام على الصور إلى الجيدة جا سيدنا محمد الله معاك الجيد علي مرحبا بك. يلا بحال نجمعو كاملة حنا بزاف ياك ابا وي تبارك الله الله يقويك يلا